Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sérène. Comme vous avez pu le constater par le titre, je vais vous montrer un petit peu comment je me démaquille en utilisant le produit magique. Le produit... L'huile de noix de coco, c'est le produit que j'utilise à chaque fois que je retire mon maquillage. Donc, c'est vraiment un produit anti-âge, bon sur la peau, naturel aussi. Avant, j'utilisais ce produit qu'on appelle Miss Sensil. C'est bon aussi. Je me suis dit, j'ai cherché quelque chose de plus naturel sur la peau. J'aime pas trop les produits chimiques. Fait que c'est ça, donc j'ai trouvé l'huile de noix de coco justement qui enlève rapidement le maquillage et efficace aussi, donc c'est vraiment très efficace. Fait que c'est ça, donc c'est vraiment la routine que je me maquille pas tous les jours, je vous dirais, mais lorsque je le fais, c'est vraiment la même routine que j'applique. Donc c'est toujours l'huile de noix de coco et quelques autres items que je vais vous montrer à l'instant même. Donc voilà, fait que juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, également cliquez sur la cloche pour ne rien manquer lorsque je lance des nouveaux contenus. Merci pour le support, je l'apprécie grandement. Donc allons-y avec la vidéo maintenant. Tout d'abord, je vais commencer par attacher les cheveux parce qu'on va bien les mouiller. On va mouiller le visage en fait. On a besoin d'enlever justement le maquillage rapidement. Voilà. Ça a été une super belle journée aujourd'hui. J'ai été voir les feux d'artifice. C'était un dernier événement, donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est pour l'occasion. Je m'étais un petit peu maquillée. Fait que je vais commencer. Je vais appliquer le produit. Je ne sais pas si je vous ai montré ça comme il faut sur caméra. Donc voilà, l'huile de coco. Je vais juste mettre les cheveux en arrière. Je vais être sûre. Voilà, on est prêt. Nous sommes prêtes. Donc je prends un petit peu dans les mains. Je viens appliquer sur la peau. Rapidement, vous pouvez voir, ça prend. J'ai oublié d'enlever mes faux cils. On peut aller. Voilà. Fait que là, je vais juste me laver les mains, puis je vais vous montrer la prochaine étape. Pour cette deuxième étape, je vais utiliser les lingettes pour bébé, justement pour venir vraiment enlever le maquillage comme il faut. Puis par après, je vais nettoyer mon visage avec de l'eau. Donc, j'utilise une lingette pour bébé. C'est vraiment, comme je vous ai dit, tout ce qui est naturel. Donc, je vais prendre une lingette. Voilà. J'ai pas mis beaucoup d'huile de noix de coco. Hein. Normalement, n'ayez pas peur, mettez-en. Moi, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais juste un peu vous montrer là. Mais je vais en rajouter, surtout pour les yeux. Là. Voilà, j'enlève un peu partout. Deuxième lingette. J'ai toujours utilisé des lingettes pour me démaquiller, même quand j'avais pas d'enfant. Hein. Juste avant que le monde dise que oh, elle utilise des lingettes parce qu'elle a un bébé.
Non, ce n'est pas le cas. J'ai toujours, toujours fonctionné comme ça. Déjà, les produits pour bébé ne sont pas mal naturels. Hein? Et que... C'est ça. Donc, vous pouvez voir, ça enlève vraiment vite le maquillage. J'ai vraiment juste eu à utiliser 2 lingettes, c'est tout, hein? Pas beaucoup. Et que c'est ça. C'est du mascara, je peux en rajouter encore un petit peu, juste pour l'enlever comme il faut. Donc la première étape, j'en avais pas mis beaucoup. Je vais tout mettre sur les sourcils. Je vais tout les mettre aussi en dessous ici. J'en ai presque plus. Donc, je vais retourner une deuxième fois. Juste mettre ça. Ça sent bon, hein? Voilà, fait que on est rendu là. J'ai tout enlevé, tout est parti. Mon jus. Voilà. Et je vais enlever aussi mon rouge à lèvres. Mais voilà, au naturel. Prochaine étape, je vais laver mon visage. Je vais utiliser mon débarbouillette ici. Mais juste avant, je vais utiliser le Aveeno pour justement nettoyer mon visage. C'est comme un savon. C'est vraiment pour la peau sensible. Hein. C'est vraiment indiqué ici. J'ai jamais eu de problème avec ça. C'est vraiment juste pour c'est vraiment pour les peaux sensibles. Okay? Donc ma peau est très sensible. Donc fait que voilà. Fait que j'utilise le Vanity Planet. Donc je vais juste mettre un petit peu. Comme ça. Voilà. Je vais rajouter un petit peu l'eau. Je vais juste mettre un petit peu l'eau dedans. Et je vais y aller. Donc, il reste presque plus de produits dessus. Je vais juste aller mouiller mon visage. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est pas long. C'est vraiment rapide. Ça a pris un petit peu du temps aujourd'hui parce qu'il fallait que je vous explique, je vous montre un petit peu, mais sinon ça prend juste 10-15 minutes là, faire ça, fini, rapido, presto. Fait que si c'est la vaseline, la nuit je mets pas de crème, pour le visage, j'aime ça mon visage naturel comme ça, puis je mets juste un petit peu, comme j'ai dit, un peu de vaseline, un peu en dessous des yeux. Puis autour ici là, la vaseline c'est très bon, c'est vraiment bon pour la peau, c'est naturel. Voilà, fait que je mets un peu de vaseline, c'est tout. Voilà, fait que c'est ça la routine pour lorsque je me démaquille. C'est pas grand chose, je mets pas beaucoup de produits. Et je vais juste mettre un petit peu de la vaseline sur les lèvres. Voilà. C'est très rare que je mets le masque. Moi, j'aime ça, ma peau naturelle. Pas trop de produits. Fait que c'est ça. C'est vraiment juste ça que j'ai fait généralement lorsque je me démaquille. J'ai pas encore fait le tutoriel sur le maquillage.
ça s'en vient. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et c'est vraiment la routine que j'ai fait. C'est ma routine du soir lorsque je me démaquille. Donc je vais juste enlever ça ici. Voilà. Me voici au naturel. Voilà, donc ceci conclut la vidéo sur la façon que je me démaquille en utilisant l'huile de noix de coco. C'est un produit vraiment efficace. Comme j'ai dit, c'est anti-âge pour celles qui veulent vraiment, qui veulent pas des rides et tout, hein, rapidement. Fait que moi, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un très, très bon produit. C'est ça, naturel, hein, des produits naturels, on aime ça. Donc, c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir visionné le contenu jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir également partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Également, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé à la maison, quelles sont vos impressions après avoir visionné ça. J'ai bien hâte de vous lire également. C'est ça, fait que likez le contenu si vous avez aimé ce que vous avez vu. Également, abonnez-vous sur la chaîne, c'est gratuit. Merci pour le support, je l'apprécie grandement. Ça me fait toujours plaisir de vous montrer mes astuces et de le partager avec vous. Voilà, donc c'est ça, nous formons un team, comme on dit, un team, une équipe. Voilà, donc on se revoit lors du prochain contenu. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous.